Welcome back la famille Airbnb, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de mon taux d'occupation sur Airbnb et également sur, donc même pas uniquement sur Airbnb, mais sur la totalité de mes annonces et mes listings, mes appartements donc en location courte durée. Donc comme tu le sais, moi je fais essentiellement de la sous-location, mais je fais aussi l'investissement locatif et uniquement en exploitation location courte durée. Alors avant de commencer, juste faire une petite parenthèse que j'ai entendu certains qui disaient la location courte durée c'est mort, etc. C'était pas du tout la bonne stratégie, c'était beaucoup trop risqué, etc. Dans ces cas-là, si on suit ce raisonnement assez basique à mon sens, que j'ai pu entendre d'ailleurs d'après certains youtubeurs, ça veut dire que tous ceux qui font des activités, qui lancent n'importe quel type de société, des restaurants, des magasins, des bars ou même des sociétés classiques, effectivement, il y a son lot de risques. Et effectivement, la location courte durée, s'il n'y a pas de possibilité de faire voyager des personnes, bien évidemment, ça a une conséquence en location courte durée. Donc forcément, tout ce qui est Airbnb, etc., en souffre aujourd'hui. C'est une activité qui est en difficulté maintenant. Si tu suis ma chaîne, si tu as suivi les différentes vidéos que j'ai pu publier, tu as dû voir que on pouvait contourner ça et on pouvait aujourd'hui arriver à remplir ces calendriers. C'est bien l'idée de cette vidéo et tu vas voir, on va passer sur mon écran juste après. Je vais te faire voir moi mes taux d'occupation. Donc contrairement à ce que certains peuvent dire, la location courte durée a très beau jour devant elle. Et aujourd'hui, c'est un événement qui reste exceptionnel, faut quand même pas le négliger, qui reste vraiment exceptionnel. Donc même si on va être confronté à ce problème-là pendant un mois, deux mois, trois mois, le fait est que dans quelques temps, on n'y pensera plus, enfin entre guillemets, c'est-à-dire qu'on aura repris nos activités et notre business aura repris de manière normale et classique. Et aujourd'hui, encore une fois, ça n'empêche pas de faire cette activité. Moi, aujourd'hui, je la fais, je continue à remplir mon calendrier. Donc effectivement, on a connu, et j'ai publié des vidéos dans ce sens-là, à un moment donné où on est tombé vraiment avec un calendrier totalement vide. Parce que effectivement, suite à ce qui a été annoncé, le confinement, etc., le fait qu'il fallait plus qu'on se déplace, forcément, ça a eu un impact très direct sur notre activité, sur le déplacement des gens et donc par rebond sur notre activité, des hôtels enfermés, des restaurants, des bars, etc. Enfin, tu connais la chanson, je ne vais pas te la refaire ici. Mais nous, pour notre activité, je trouve qu'on a été au contraire plutôt assez épargnés parce qu'aujourd'hui, on prend toujours des réservations, on a toujours des personnes qui ont besoin d'appartements. Donc, contrairement à ce que certains peuvent dire, aujourd'hui, on a quand même toujours la possibilité de faire cette activité. Là où du coup, par contre, où c'est un peu reprochable, et c'est pour ça que j'ai fait des vidéos dans ce sens-là, c'est qu'Airbnb a clairement aidé et favorisé la prise d'annulation. C'est-à-dire qu'il a clairement orienté les voyageurs vers les annulations et du coup, a favorisé les annulations donc des voyageurs. Et du coup, nous, on s'est retrouvé d'un seul coup à avoir plus aucune réservation, plus rien, plus de chiffre d'affaires. Et forcément, quand toi, tu construis un business autour de ça, c'est assez dur à encaisser. Mais encore une fois, quand tu as les bonnes stratégies, quand tu es quelqu'un qui va de l'avant et que tu as le bon mindset et que tu vois toujours le verre à moitié vide, à moitié plein, tu es capable de mettre en place les stratégies et les choses qui vont te permettre à toi aussi de faire en sorte que ton business puisse continuer et qu'on puisse continuer cette activité. D'ailleurs, pour terminer sur cette petite introduction, et après on va passer sur mon écran, je vais te voir tout ça. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui envisagent d'arrêter la location courte durée, des propriétaires qui du coup avaient fait de l'investissement locatif uniquement en location courte durée, ils vont tout repasser en meublé classique ou voire même en location traditionnelle. J'ai envie de dire, tant pis pour eux, c'est tout. C'est qu'ils n'ont pas cru au modèle parce que 1, 2, 3 mois, cette activité est effectivement touchée. Ça y est, on remet complètement en question son business. Franchement, je suis un peu surpris parce que… Alors, autant si tu fais de l'investissement locatif pur que tu fais après d'autres activités, je peux le comprendre à la limite. Mais ceux qui avaient construit leur modèle économique sur la location courte durée qui changerait totalement leur façon et leur vision de voir les choses… je trouve que c'est pas le bon mindset et au contraire ça laisse justement voir que c'est dans ces moments-là où il faut se battre, c'est dans ces moments-là où il faut justement continuer, trouver des solutions. Moi j'en ai trouvé et du coup ça me permet de continuer cette activité. Donc à un moment donné, tant mieux pour nous quelque part. Si tu suis cette chaîne YouTube, que tu veux te lancer dans la sous-location ou dans la conciergerie ou même dans l'investissement locatif mais avec de l'exploitation en location courte durée. Moi, au contraire, ce que ça laisse présenter aujourd'hui et les statistiques, enfin les chiffres, on va voir, le montrent bien, c'est que justement tous ceux qui n'ont aucune stratégie, tous ceux qui font ça un peu en l'arrache,
qui comment dirais-je, qui font le casse-côte durée, mais qui savent pas trop finalement les tenants, les aboutissants. Bah, ces personnes-là se retrouvent effectivement dans la moyenne du marché. Hein. Là, on voit 21% sur le mois de mars, alors que moi, je suis au contraire à plus de 70%, même à 80%, parce que ça intègre pas les locations que j'ai fait en direct, bien entendu. Et donc, tu vois, moi, je suis à 80%, alors que la moyenne sur le marché était plutôt à 21%. Toutes ces personnes-là, effectivement, ne se forment pas, comment dirais-je, ne suivent pas des stratégies particulières, ils louent leur appartement, et donc c'est sûr, du jour au lendemain, ils se retrouvent, ils n'ont plus de réservation, et donc ils se disent que la location courte durée, ce n'était pas le bon plan pour eux. Et quelque part, tant mieux pour nous, ce que ça veut dire que dans le cadre eh bien, de cette activité, eh bien, on aura très certainement moins de concurrents. Donc au contraire, on va avoir des beaux jours devant nous dans les semaines ou dans les mois à venir. Premièrement. Deuxièmement, ça veut dire que si toi tu souhaitais te lancer aussi dans la sous-location, eh bien ça veut très certainement dire qu'on va se retrouver avec des appartements qui vont être sur le marché. Il y aura une offre assez importante d'appartements, contrairement à ce qu'on pouvait des fois observer sur certaines villes, avec une tension locative relativement importante. Donc ça voulait dire qu'on avait du mal à trouver des appartements sous location. Là au contraire, on va se retrouver avec une offre très certainement bien plus importante. Et forcément, ça va jouer dans l'immobilier. Et donc, pour nous qui faisons de la sous-location ou même de l'investissement locatif dans le cadre de ce type d'exploitation, eh bien, je pense que ça va nous être profitable. Donc, moi, ce que je voulais te dire aussi, je voulais te parler autre chose, je voulais te parler de ce qu'on a reçu. C'est hier, je crois, on a reçu un email d'Airbnb qui nous demandait si on avait des appartements de disponibles à proposer au personnel soignant. Mais alors sur le principe oui, mais à titre gratuit. C'est-à-dire qu'en gros, là très clairement, ils nous demandent si vous avez des appartements disponibles au moins 15 jours, eh bien de communiquer à Airbnb. Airbnb nous donnerait une compensation de 50 euros. Oui, t'entends bien, 50 euros. Et du coup, on mettra à disposition nos appartements. Donc là, j'ai un peu de mal à comprendre cette logique-là. Qu'on mette à disposition des appartements, je l'entends, mais à titre gratuit, ça me paraît quand même assez surprenant. Je vois pas comment, alors que justement, le gouvernement a tendance à dire il a débloqué des centaines et des centaines de milliers d'euros pour aider tout le monde finalement. Tout le monde est concerné par des aides à droite, à gauche. Pour faire face à cette crise, j'ai un peu mal à comprendre que là, pour le coup, on mette à disposition des appartements gratuits, surtout quand c'est dans le cadre de ton business, ça me paraît vraiment compliqué. Donc du coup, ça c'était le petit message que je voulais te laisser passer et que voilà, si tu n'as pas reçu ce mail-là, tu vas très certainement le recevoir et on va t'inviter à proposer gratuitement tes appartements Airbnb au personnel soignant. Par contre, ce que je peux t'encourager à faire, c'est effectivement voir s'il n'y a pas des personnes qui pourraient t'intéresser du personnel soignant pour louer ton appartement. Mais bien entendu, ce ne sera pas gratuit. Moi, c'est ce que j'expliquais à une personne qui fait partie du milieu hospitalier. Ce que j'ai dit, tu sais, non, ça ne sera pas gratuit. Après, par contre, je peux faire des très fortes remises pendant ces périodes-là, bien évidemment. Mais de là à ce que ça soit gratuit, non, ça ne sera pas possible. Moi, je dois aussi couvrir mes charges de fonctionnement de mon entreprise. Donc voilà ce que je voulais dire déjà sur l'introduction par rapport à tout ça. Là, on va passer donc sur mon écran. Donc du coup, par exemple, tu vois, donc ici, donc sur Le Mans, eh bien là, on se retrouve, tu vois, sur le mois de mars. Donc là, j'ai fait vraiment une sélection du 1er mars au 31 mars. Eh bien moi, je suis à 68% taux d'occupation. Encore une fois, ça n'intègre pas aussi les appartements que j'ai loués en direct. J'avais des appartements où j'avais loué directement, donc surtout sur la fin mars, puisque l'événement est intervenu à partir du 10 mars, je crois, de mémoire. On a commencé à ressentir donc les effets du ralentissement et qu'on ne pouvait plus se déplacer comme on le souhaitait. Et tu vois, alors que la moyenne du marché était déjà à 21%. Si par exemple je vais prendre par exemple donc du 16 mars au 31 mars, tu vois, je suis toujours sur un taux d'occupation à 67%, alors que la moyenne du marché est très clairement à 12%. Donc, tu vois bien qu'aujourd'hui, voilà, même si on est en pleine période de crise, on se retrouve avec des taux d'occupation quand même qui sont quand même plutôt intéressants. Et encore une fois, ça n'intègre pas les réservations que j'avais prises en direct des personnes que j'ai converties en direct, qui ont réservé à la semaine ou à la quinzaine et qui me payent directement hors plateforme. Et d'ailleurs, en ce moment, j'essaie très sincèrement d'en sortir plusieurs hors plateforme parce que j'ai vraiment pas besoin d'Airbnb pour continuer aujourd'hui à prendre mes réservations. Et au contraire, ils ont plutôt cherché à dégager un paquet de réservations. Donc, moi, j'ai aucun scrupule à aujourd'hui à contractualiser directement sur certains appartements. Donc ça, c'est, tu vois, c'est donc mon taux
d'occupation moyen, donc 67-12, sachant que 67%, encore une fois, je te le dis, c'est au-dessus de ça. Alors que la moyenne du marché est vraiment très très basse. Donc on voit bien que tous ceux qui n'ont pas changé leur stratégie, qui ont laissé les choses se faire, se sont retrouvés totalement piégés. Là, on va plutôt aller maintenant sur le mois d'avril. Alors moi, c'est ce que je te disais dans une précédente vidéo, j'ai vraiment une visibilité sur voilà, la semaine, la quinzaine. Certains appartements, j'ai réussi à couvrir jusqu'à fin avril, mais encore certains appartements où j'ai réussi à prendre des réservations jusqu'à fin mars. Après, le mois d'avril sera, on va dire, j'ai réussi à prendre la première semaine du mois d'avril, mais il me reste encore toutes les autres semaines à trouver des solutions. Mais c'est de ces personnes qui vont convertir, que je vais réussir à convertir tout simplement parce qu'ils vont très certainement rester dans ma ville ou ils vont prolonger. Donc, je suis vraiment pas inquiet par rapport à ça. Mais je vais quand même te faire voir les statistiques. Donc là, aujourd'hui, tu t'aperçois que la moyenne du marché elle est descendue à 4,2%. Bon, moi, je suis affiché à 24%. Mais encore une fois, je te le dis, c'est vraiment parce que derrière, j'ai un paquet d'appartements qui ont été pris directement en réservation instantanée. Hein. Donc, du coup, on se retrouve eh bien, avec des appartements... moi qui sont pour le coup occupés, donc très exactement je pense que je suis à peu près dans le même chiffre que sur le mois de mars, à peu près à 60%, puisqu'il me reste encore quelques appartements où je n'ai pas de réservation sur le mois, donc on va dire je suis à peu près aux alentours de 60%. On voit que la moyenne du marché est plutôt à 4,2%, donc c'est vraiment très très bas. Alors peut-être que aussi certains ont réussi à contractualiser en direct, mais très sincèrement on voit bien que là c'est vraiment le taux d'occupation est vraiment très très bas. Et ce qui du coup fait qu'on a aujourd'hui une concurrence très très forte sur nos appartements puisqu'on se retrouve avec une série d'appartements qui sont disponibles à la location. Et donc du coup forcément là il faut vraiment aujourd'hui avoir une politique de prix à la semaine, à la quinzaine, au mois qui soit hyper attractive pour que du coup tu puisses prendre ces réservations. Et si possible, plutôt en direct, hors plateforme, puisque ces chiffres-là sont vraiment des chiffres dans la plateforme, pour que du coup, tu puisses contractualiser directement avec la personne. La personne, ça lui fait un petit peu moins cher à payer, parce que du coup, elle n'a pas les frais Airbnb à sortir. Toi, tu es un tout petit peu gagnant, effectivement, mais ça ne change pas énormément pour toi. Mais du coup, toi, ça te permet derrière de proposer un tarif ferme au mois qui couvre tes charges. Moi, je sais que ça me permet de couvrir mes charges et je me dégage un léger cash flow sur chaque appartement. Et du coup, ça va me permettre de passer tranquillement donc le mois de mars, le mois d'avril. Et très sincèrement, après, je verrai durant le mois d'avril comment les choses vont évoluer aussi en fonction de ce qu'on vit actuellement. Et du coup, je verrai pour le mois de mai si effectivement on continue ces mêmes stratégies pour justement prolonger les réservations de mes voyageurs. Donc, bien entendu, tout ce que je te fais voir là, c'est vraiment spécifique aux villes sur lesquelles j'exploite. En plus, là, ça prenait vraiment en considération tous mes appartements sur une ville. Donc toi, forcément, ça peut avoir un impact chez toi. C'est-à-dire que peut-être que toi, tu ne reproduis pas les mêmes choses que moi ou de manière un petit peu différente. Mais tu peux quand même constater sur les précédentes vidéos des commentaires qui ont pu être laissés donc par rapport à ça. Et quand même, à 80-90%, les personnes ont réussi à faire les mêmes choses et ont réussi à prendre des réservations longue durée et à convertir. Donc, je t'invite à faire la même chose. Après, effectivement, tu seras peut-être dans une ville ou dans un pays où ça sera plus compliqué parce que peut-être tu dépends exclusivement du tourisme. Et là, effectivement, il risque peut-être d'y avoir des complexités à aller chercher des réservations comme celle-ci. Mais bien que moi, j'ai tendance à dire que c'est quand même possible, mais il ne faut pas hésiter effectivement à appliquer des gros discounts 50-60% sur des réservations longue durée au mois pour du coup passer cette période difficile. Et dès qu'on en sortira, eh bien, on reviendra sur quelque chose de beaucoup plus classique, traditionnel. Et on verra que là, on pourra bien entendu retrouver les cash flows qu'on faisait auparavant. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te faire voir sur Airbnb. Alors tu vois, par exemple, là, je t'ai mis aussi, je te mets une capture d'écran sur le taux moyen par nuit. Donc tu vois que moi je suis plutôt en dessous par rapport au taux moyen, mais moi par contre j'ai un taux de remplissage qui est bien plus important. Contrairement au marché, tu vois, qui est plutôt au-dessus à 51 €, mais on voit bien que par contre, eux, à contrario, ils ont un taux d'occupation qui est nettement plus faible. Donc à un moment donné, il vaut mieux accepter d'être moins cher, un petit peu moins cher, mais se retrouver avec des prises de réservation assez longues. Donc là, je t'avais mis sur le mois d'avril, là on va faire la même chose sur le mois de mars.
voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là, moi, au contraire, tu vois, j'étais plutôt légèrement au-dessus, hein, contrairement à la, on va dire à la moyenne. Donc, tu vois, j'arrive à peu près à garder un tarif moyen, le prix du marché, mais derrière, j'ai un taux d'occupation qui est bien plus important. Donc voilà ce que je voulais te faire voir aujourd'hui sur donc ce taux d'occupation. Je reçois beaucoup de messages par rapport à ça, beaucoup de personnes qui me demandent, voilà, clairement de les aider sur comment mettre en place, eh bien, ce type de stratégie, comment remplir le calendrier. Donc j'essaie tant bien que mal de trouver des solutions, mais c'est vraiment du cas par cas. Et du coup, c'est assez compliqué aussi pour moi de répondre à toutes les demandes, mais n'hésite pas à suivre donc cette chaîne YouTube si toi aussi tu souhaites avoir plus d'informations et tu souhaites eh bien obtenir des conseils gratuits sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à t'abonner si tu veux du coup eh bien profiter des prochaines vidéos que j'ai publiées sur les différentes stratégies que je mets en place sur mes appartements donc sur Airbnb et en location courte durée. On a terminé, je vais te dire à très bientôt ou de l'autre côté, si tu fais partie eh bien, donc de tous ceux qui ont déjà souscrit mes formations, eh bien, on va se retrouver juste derrière et on va pouvoir continuer cette conversation. À très bientôt, bonne journée à toi.